je vais vous expliquer ce qui s'est passé, les amis. J'ai été jugée, attention, hein, j'ai été jugée et j'ai été condamnée par défaut. On ne m'a jamais prévenue de ce procès. J'ai entendu dire que soi-disant j'avais pas ouvert à un huissier. Alors, effectivement, je n'avais pas ouvert la porte à un huissier en avril. Normalement, un huissier se doit de au moins laisser un avis de passage, ce qu'il n'a pas fait. En revanche, il est revenu le lendemain matin et j'ai bien réceptionné cette fois-ci la plainte, qui était la plainte d'une personne de la production. Donc, en aucun cas, je n'ai reçu la plainte de Raphaël et Tiffany. Et donc du coup, j'ai été condamnée et en plus à la peine la plus lourde puisque je n'étais pas là. Et ils se sont précipités auprès de tous les médias pour balancer ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un coup de communication foireux. Pourquoi? Parce que, les amis, je vous annonce que j'ai fait opposition au jugement. Ce qui veut dire que le jugement et la condamnation ne sont plus. Donc, ce qui veut dire qu'on repart totalement à zéro. Donc, et donc, du coup, le dossier sera rappelé donc à l'audience en janvier 2022. Voilà. Donc, tout ça pour rien.